Bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors, on vient d'apprendre, Katie et moi, qu'on était co-modérateurs. Et donc, je propose, hein, on en a déjà un peu discuté très, très, très brièvement avec Katie, que vous vous présentiez, qu'on se présente par ordre alphabétique. Et il me semble, Katie, c'était Anthony. Hein. Oui. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Du coup, pour me présenter brièvement, je m'appelle Anthony Boulanger. J'écris dans les genres imaginaires depuis quelques années, que ce soit des nouvelles principalement, quelques romans également. Et mes thématiques de prédilection sont les oiseaux, les golems, la mythologie. J'écris pas mal de fantasy. Et quand j'ai l'occasion de se présenter, bah, je fais des incursions un peu en science fantasy en particulier. D'accord. Science fantasy, je pense qu'on va y revenir quand même, ça me paraît intéressant. Personne suivante par ordre alphabétique, ça serait Guillaume, si je ne m'abuse. Oui, je crois que c'est moi. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Guillaume Lafineur. Je suis belge, en fait. J'habite Bruxelles. Et j'écris principalement des nouvelles et plutôt en science-fiction depuis 4 ou 5 ans maintenant. Voilà. Je fais aussi partie de l'anthologie au moment de sa sortie, qui est reportée, je pense, si j'ai tout compris, à l'année prochaine. C'est ça. Alors, logiquement, ça serait moi, mais je vais me garder un peu pour le coup, puisqu'on modère. Loïc, tu peux bien te présenter à notre public. Je ne sais pas si vous m'entendez, là, j'ai quelques soucis de connexion. J'espère que vous m'entendez à peu près correctement. Donc, Loïc Henry, alors j'écris des nouvelles et des romans, principalement dans le domaine de la science-fiction, avec quelques incursions parfois sur des thématiques qui sont un peu plus proches du fantastique ou de, on va dire, du contemporain ou du thriller. D'accord, merci. Bon, Katie, présente-toi. C'est-à-dire, je suis donc Katie Stewart. Ceux qui ont suivi ma conférence hier savent que j'écris beaucoup dans le format court. Donc, nouvelles, beaucoup de nouvelles. Je dois être à une, je sais pas, 50 ou 60aine. De nouvelles principalement en science-fiction. J'écris aussi de la poésie, des romans, en littérature générale, en fait, j'écris. Voilà. J'écris pas mal. Et effectivement, le format court et même mes formats longs sont des morceaux de format court. Je suis publiée depuis 2003. À toi, Timothée. D'accord. Bah, c'est un peu la même chose. Hein. J'écris de la poésie, comme toi. Je me rappelle, j'ai lu un des recueils, Je ne sais pas appartenir. J'avais bien aimé. Ah, bien sûr. Donc, moi, j'écris de la poésie depuis très longtemps. Et à un moment, je me suis dit, bon, j'aime bien la science-fiction, fantasy, fantastique. Et 2004, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et bon, on parlera un peu plus tard des supports, etc., sur lesquels on peut être publié, quoi, en France de nos jours. Des nouvelles, bon, j'écris aussi des romans, je viens plutôt de travailler là sur le paratexte d'une édition de Fritz Leiber, donc tout ce qui est préface, notes, etc., quoi, postface. Et ouais, je suis toujours un petit peu diffus et brouillon, hein, faut me calmer. C'est pour ça que me mettre en modérateur, c'est incroyable. Mais je suis là, je suis là. Ouais, voilà, modère-moi, on va se modérer en ping-pong, surtout toi. Voilà, donc voilà, j'ai écrit une centaine de nouvelles à peu près, je pense, quoi. Je suis plus un novelliste qu'un romancier, hein. Je galère toujours pour les romans, quoi, pour les formats longs. J'aime bien le côté format court. Voilà. Bah, ce que tu dis là m'inspire déjà une question pour tous nos petits camarades. Tu dis plutôt novelliste et plutôt romancier. J'ai entendu que tout le monde avait un peu touché à tous les formats. Donc, est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Est-ce que vous avez un discours qui est le vôtre sur ces différents formats? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui change pour vous? Si vous avez une préférence, enfin voilà. Est-ce que vous avez réfléchi à vos processus créatifs sur ces deux formats différents? La parole à qui veut. Bon, j'ai des trucs à dire, mais je ne vais pas monopoliser le micro, quoi. Allez, Anthony. Sur le roman, la nouvelle.
Oui. Mais en fait, la distinction se fait généralement. Les nouvelles que j'écris sont généralement liées à des contraintes, que ce soit des contraintes que je m'impose pour explorer un nouveau thème ou un nouveau mode de narration, ou particulièrement sur les appels à texte. En fait, les appels à texte sont une source d'inspiration phénoménale, et que ce soit des fois juste sur l'intitulé, juste sur le petit descriptif qu'on peut avoir à travers ce que vont mettre les maisons d'édition. Donc, on va dire beaucoup de nouvelles que j'ai eu l'occasion de produire viennent des appels à texte. Alors que sur les romans, j'aime donner peut-être, on va dire, un peu plus de temps pour construire l'univers autour de ça. Alors, pas qu'il y ait des univers qui ne soient pas construits dans les nouvelles, mais on va dire des choses sur lesquelles je vais prendre plus de temps, en fait. Alors que sur les nouvelles, je vais vraiment être dans une dynamique différente en termes de rédaction. Alors, je ne sais pas vous, mais ça me parle énormément, ça, parce que c'est mon cas aussi. C'est-à-dire que, en tout cas, pendant très longtemps, je voyais passer des appels à texte, et je disais, oh, celui-là me parle, et tchouc, le truc commençait à se construire. Et je voyais même la chute, etc. Et c'est même presque un piège, parce que, à la limite, si j'ai pas cette contrainte, j'ai plus de mal. Pour une nouvelle, en tout cas. Alors, bon, pour un roman, c'est autre chose, puis bon, ben voilà. Je sais pas Parce vous que autres, tu mais... dis la contrainte, Timothée, ben, moi j'en ai besoin. Je la cherche, la contrainte. Quand j'anime des ateliers d'écriture, c'est toujours avec contrainte. Parce que je suis persuadée qu'il y a des choses à canaliser. Qu'à un moment, il faut faire des choix. Et que les gens qui disent ne pas avoir d'idées, souvent, c'est parce qu'on en a trop et qu'on ne sait pas comment choisir. Donc la contrainte, pour moi, c'est très très fertile d'avoir une contrainte et d'en rajouter. Quand j'ai du mal avec un thème, je rajoute un autre thème par-dessus, je recroise pour être obligée de creuser à partir d'entrées qui ne sont pas nécessairement les miennes, mais voilà, trouver mon chemin dans une autoroute. Moi, je pense que, ouais, je pense que je vous rejoins tout à fait là-dessus, dans le sens où à la fois avoir une contrainte liée au thème, à l'espace, donc au nombre de caractères et au temps surtout, se dire voilà, ça doit être fait pour le 10 mai, ça oblige à prendre des décisions sur lesquelles on pourrait passer trop de temps. Et il faut les prendre vite et avancer. Donc, je trouve que le format court a ce côté séduisant, et particulièrement dans les appels à texte, d'un peu focaliser nos attentions d'auteurs qui peuvent parfois partir dans trop de directions. Oui, avec cette idée, justement, bon, moi, j'ai le petit diable qui se met en route dans la tête et qui me dit, ouh, comment je peux la prendre à l'envers, cette contrainte? Comment je peux, voilà. Il y a tout un jeu avec ça, mais c'est vrai qu'elle est présente. Et tu parlais, Katie, d'atelier d'écriture. C'est vrai que j'en anime aussi et je fais énormément référence, par exemple, à l'Oulipo, hein, c'est-à-dire à tout ce qui est littérature sous contrainte. Bon, ça... Et Loïc, peut-être, comment ça se passe, toi? C'est un peu un mix en fait, c'est-à-dire que je vous rejoins sur certains points, c'est-à-dire que en effet, bah, comme le disait Anthony tout à l'heure, parfois on écrit déjà, enfin le plus souvent la contrainte qu'on a c'est sur le thème de l'anthologie. Bon, à partir du moment où il y a un thème, il y a forcément une contrainte. Et c'est vrai que moi il m'arrive aussi d'écrire des nouvelles un petit peu, j'ai envie de dire dans le bleu, c'est-à-dire sans contrainte parce qu'il y a une idée qui me vient ou quelque chose. Là, d'un point de vue pratique, c'est parfois plus compliqué de proposer cette nouvelle, puisque la majorité des nouvelles sont quand même écrites dans des anthologies, donc sous contrainte. Il y a un certain nombre de revues comme Bifrost, Galaxy, qui peuvent, notamment, hein, pour en citer que deux, qui peuvent accepter des nouvelles qui sont sur des sujets divers. Mais je pense que c'est plus compliqué pour un novelliste, une fois qu'il a écrit une nouvelle sans contrainte, de trouver un éditeur qui va être intéressé par cette nouvelle. Ah oui, ça, on en parlera peut-être plus tard, parce que c'est quelque chose que n'aiment pas trop les éditeurs, les nouvelles, hein. Donc, bah, Oui, et les on en libraires. parlera, oui. Pour revenir sur cette façon de travailler avec les contraintes, je pense à quelque chose que j'ai évoqué dans ma conférence hier, mais j'y ai repensé du coup pendant la nuit en me disant, mais c'est vrai qu'à un moment il faut en parler. J'ai beaucoup parlé du travail qu'on fait sur le texte, de repasser, de corriger, de re-recorriger. C'était ça l'essentiel de ma présentation. Voilà, 1 heure de correction et de recorrection. Et j'avais fini sur le problème de trop travailler et de se retrouver sur quelque chose qui soit un peu scolaire, qui soit un peu fade,
tellement il serait travaillé et tellement on aurait perdu de vue finalement qui on est pour pouvoir répondre à une attente qu'on a perçue ou qui a été clairement édictée. Mais enfin, voilà, il me semble que l'équilibre est à trouver entre qui on est et ce qu'on écrit. Tu disais toi-même, Timothée, ça me parle. Ça me parle, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'à un moment, ça résonne avec ton univers. Peut-être qu'à un moment, ça résonne avec quelque chose que tu aurais envie de dire. Et je pense que s'il n'y a pas ça, on s'expose à faire des nouvelles insipides, des nouvelles qui ne sont pas habitées, des nouvelles où ce qu'on est ne transparaît pas et qui vont être peut-être très, très propres, qui vont peut-être être... voilà, parfaitement construite, suivant des modèles, mais pas forcément habitée. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est les textes habités. Oui, de ce dont tu parles, par exemple, bon, un exemple, j'aime pas les histoires de vampires. C'est comme ça, c'est un truc, ça m'a jamais branché. Et on m'a demandé, une fois, pour une anto, d'écrire une histoire de vampire. Et donc là, je me suis retrouvé à écrire quelque chose qui me plaisait pas du tout. Et, sur quelque chose qui me plaisait pas du tout. Alors, je ne sais pas par quel mécanisme. Bon, c'est un truc que j'écris en vers en plus, là. C'est une nouvelle pour Jeanne Debat. Tu as rajouté une contrainte, donc. Je me suis rajouté une contrainte, voilà. Et une autre, parce que le titre, c'était un jeu de mots sur Saint-Exupéry, et il fallait que la chute de la nouvelle coïncide. Ouais, mais je me suis rajouté des tas de contraintes, en quelque sorte, comme barrière, ouais. Parce que, voilà, ces histoires de vampires, ça. Alors, bon, je laisse peut-être parler un peu d'autres. Vous, ces histoires de contraintes, ce que disait Katie, c'est-à-dire qu'il faut faire le partage entre un peu ce qu'on est et puis ce qu'on nous impose, là. C'est ça que tu dis, Cathy. Oui. Ah, il y a une espèce de juste milieu. Vous le sentez comme ça, Guillaume, Anthony, Loïc? Du coup, peut-être pour commencer, de mon côté, je pense qu'il y a deux choses sur les contraintes, dans le sens où la première chose, mais c'est peut-être un point de vue très personnel, ça va permettre de faire des associations d'idées. Je pense qu'en effet, il ne faut pas qu'on se perde en tant qu'auteur dans ce qu'on a et qui nous fait, qui nous parle à nous-mêmes et ce qu'on espère partager avec les lecteurs. Sinon, je suis complètement aligné avec ce que vous avez dit, ce que tu as dit, Katie, sur le fait que ça va faire des nouvelles peut-être très bien écrites, sans aucune faute, mais très plates. Et je pense que la contrainte, par exemple, sur le vampire, qui est pas forcément un thème de prédilection pour moi et également, c'est pour réussir à le contourner. C'est quoi l'origine du mythe du vampire? Comment il a évolué au fil des siècles? Et réussir à trouver quelque chose, une fibre là-dedans qui fait qu'on va pouvoir le raccrocher à de la science-fiction, à quelque chose à prendre à contre-pied, on va dire, le lecteur et peut-être même l'anthologiste avec les avantages et désavantages que ça peut avoir, et de voir si finalement on ne se perd pas là-dedans. Et c'est vrai que je pense que c'est toujours important de ne pas perdre le pied avec ce qu'on est. Et en fait, si je prends mon exemple très personnel, généralement quand j'écris une nouvelle, je la retravaille très peu, dans le sens où je vais être 5-10 jours peut-être dessus, et ensuite je vais la laisser de côté pendant 1 à 2 semaines avant de me repencher dessus. Si au bout de ce petit temps de recul, parce que c'est très court finalement, 2 semaines, elle me parle toujours, je me dis ok, c'est là, je vais la présenter, elle aura peut-être une vie éditoriale ou pas, mais au moins elle me plaît et je vais pouvoir, j'aurai pas honte, on va dire, à la soumettre, et j'ai pas à me forcer à la soumettre si elle me plaît pas. Alors là, tu intègres un peu ce dont parlait Guillaume, c'est-à-dire la contrainte du temps. Oui. Hein, j'ai envie de parler de vampire aussi, en fait. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment à la base les histoires de vampires? Parce que, moi, j'aime bien. Okay. Alors, moi, j'aime bien au sens Anne Rice du terme. C'est-à-dire que l'histoire de vampire à la Anne Rice, j'aimais bien. Après, l'espèce de mode de vampire où finalement, c'était un peu l'alpha et l'oméga de l'histoire où la chute est quasi inexistante, ça pour moi c'est un souci, parce que en fait dans les histoires de vampires qui passent un peu de mode mais qui étaient très présentes on va dire au début des années entre 2005 entre à partir de 2000 jusqu'en 2015 on va dire on avait beaucoup quand même d'histoires de vampires. Le problème qui se posait, c'est que il y avait des histoires, il y avait des chutes, il y avait des personnages, il y avait tout ça, mais souvent on avait une absence de surprise, c'est-à-dire que comme on savait par définition que la personne était un vampire, ou comme on le devinait au bout de 3 lignes, finalement ça limitait la possibilité qu'il y ait une chute, parce que en tout cas une chute sur le fait que la personne soit un vampire.
Ce qui fait que, mais ça c'est un débat qui est peut-être aussi intéressant sur la façon d'écrire les nouvelles, c'est-à-dire que les nouvelles, en fait, il y a des nouvelles où à la fin de la nouvelle on a une chute, ou les nouvelles où il n'y a pas de chute, mais qui peuvent être de très bonnes nouvelles dans les deux cas, en fait. Et c'est vrai que à titre personnel, on va dire que les nouvelles que j'aime lire, et c'est les nouvelles que j'aime écrire, c'est des nouvelles où il y a une chute, c'est-à-dire à un moment donné, à la fin de l'histoire, il se passe quelque chose et le lecteur est pris par surprise. Il y a une chute à laquelle il ne s'attendait pas. C'est vrai que ces histoires de vampires, parfois, ça limite justement ces possibilités de chute. C'était ça mon souci particulier, sans que ce soit un souci pour les vampires qui se sont dessus. Mais ça ramène la question de la chute. Je ne sais pas comment vous voyez les choses de ce point de vue-là. Oui, c'est une question, moi, je trouve très importante, quoi. Mais c'est bon, pour rebondir sur ton histoire là de... Le vampire, bah, tout a été à peu près écrit, en fait, c'est ça. Hein, on a Frédéric Brown qui nous a montré des vampires qui voyagent dans le futur, et pas de bol, les hommes du futur descendent des navets, et les choses. Donc, on a eu à peu près tout, quoi. Donc, pour faire quelque chose, justement, qui soit un peu original, c'est pas évident. Pour les histoires de chute, alors, je donne mon point de vue, je vais pas trop être envahissant. Moi, souvent, quand je vois l'appel à texte, quand la petite machine s'est mise en route, c'est la première chose que je vois, en fait. Comment la nouvelle va être un dispositif qui m'amène à cette chute. Même si, à côté de ça, j'ai écrit aussi des nouvelles où il n'y avait pas de chute du tout, où c'était une tranche d'ambiance. Hein, donc, je ne sais pas vous comment vous voyez la chose. Souvent, bon, moi j'ai ce réflexe, je vois la chute, mais ce n'est pas systématique. Hein, je peux avoir aussi envie de saisir comme une sorte... l'autre variante, tranche d'ambiance, c'est un peu comme on écrit un poème, quoi, dans ce cas-là. Voilà, il y a peut-être ces deux options. Moi, Katie, parce que je suis super bavard, hein. Ça suffit, Timothée. Merci. Alors, sur la question de la chute, donc je vais répondre et je donnerai la parole à Guillaume et Anthony, puisque Loïc en a déjà parlé. Alors, personnellement, quand je commence un texte, je ne veux absolument rien savoir de ce texte. Si je connais l'histoire, je ne l'écrirai jamais. C'est comme ça. J'écris pour me raconter des histoires et pour les découvrir au fur et à mesure, pour me surprendre au fur et à mesure. Si je connais l'histoire, c'est mort. Alors, ça m'est arrivé d'avoir une fin, comme tu dis, une chute, voilà, d'avoir une fin en disant « Oh, j'aimerais bien une histoire qui va à cet endroit-là. » C'est plus rare dans mon processus, mais ça arrive. Et effectivement, je ne sais rien du début. Si je connais le début, le milieu, la fin, l'histoire existe déjà, elle ne m'intéresse absolument pas. Et elle ne sera jamais écrite. Pour ce qui est des chutes, alors... Je vais parler à la fois des chutes et des fins. Quand je travaille avec des éditeurs, ce qui revient très, 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 très souvent comme remarque, c'est « Non, mais attends, ta fin, c'est quoi, là ?»« C'est quoi ? Il n'y a pas de vraie fin. C'est trop ouvert, il ne se passe rien. » Alors, parfois, je défends mon beefsteak parce que effectivement, ça me paraît important, mais souvent, c'est que j'ai eu du mal à terminer. Donc, voilà. Et... quand j'arrive à terminer, c'est souvent des histoires qui vont reboucler sur le début ou qui vont réévaluer le début du texte. Oui, ça, c'est quelque chose Oui, c'est une chute, mais pas simplement dans le côté surprenant. Oui, oui. C'est aussi le côté, ce que vous venez de lire, en fait, c'est pas tout à fait ce que vous croyez avoir lu. Voilà, reconfigurer complètement l'angle. À la fin pour donner un autre éclairage à la nouvelle. Ça, c'est quelque chose que je fais, que j'essaye de faire, qui est souvent possible, pas toujours. Hein. Ah oui, c'est vachement bien, mais c'est dur, quoi. C'est vachement bien, c'est sûr, quoi. Qu'à la fin, on se dise, mais au fait, qu'est-ce que j'ai lu depuis le début? Et que tu es presque obligé d'avoir une deuxième lecture sur ce texte-là, et tout prend une autre couleur, quoi. Ouais, ouais, j'aime bien ça. Donc, c'est amusant, parce qu'en même temps, moi, je serais quasiment incapable. Les fois où je me suis planté, par exemple, en écrivant des romans, c'est que je me suis lancé, à un moment, j'en ai eu marre de construire l'univers, je me suis lancé, et patatras, à un moment, ça marchait plus. Il me faut voir la fin. Mais c'est marrant, on a deux visions assez différentes. Guillaume, par exemple, comment ça se passe pour toi ? Eh bien, j'utilise un peu les deux techniques. Il m'arrive de voir la fin de manière assez précise au début du processus d'écriture, on va dire. Et il m'arrive aussi, comme Katie dit, de démarrer et de découvrir au fur et à mesure, en fait, ce que j'ai envie d'écrire. Disons que je commence, en fait, assez souvent
avec une voix de personnage en tête. J'écris presque exclusivement d'un point de vue subjectif, très très rarement d'un point de vue omniscient. Et en fonction du temps que je vais utiliser dans le premier ou deuxième paragraphe, si c'est au présent, c'est généralement que je n'ai pas du tout l'idée de ce qui va se passer. Et si c'est au passé, pour moi, ça veut dire que le narrateur a survécu. Et donc, c'est que j'ai déjà une idée assez précise de comment est-ce qu'on l'amène là où je sais qu'il va. Oui, d'accord. Si c'est au jeu et que si c'est au passé, il a forcément survécu. Oui, D'une d'une certaine. manière ou d'une autre, ça peut Oui. être, il peut y avoir une transformation avec la science-fiction et le fantastique, c'est Voilà. ça qui est assez génial, c'est Voilà. que, il peut y avoir un changement radical qui surprenne à la fin sur qui est le narrateur et qui est le moteur narratif. Oui, ça Et peut tiens, je voulais arriver, d'accord. revenir Oui. sur un truc que Katie évoquait, tu disais, tu parlais de la question de la fin ouverte. Qui serait qui est souvent un reproche d'éditeur. Est-ce que tu trouves que c'est plus flagrant dans le roman et que la nouvelle laisse plus justement de flexibilité au niveau de qu'est-ce qu'une fin de nouvelle Alors, moi, j'écris des faux romans, si tu veux. Donc, mes romans, c'est toujours des assemblages de textes courts, donc avec une construction qui va être généralement fermée. Voilà, quelque chose de fermé. Donc, peut-être qu'effectivement, je réponds à ta question. Pour moi, le roman, c'est que c'est censé être quelque chose de complet. Voilà. Alors, on ne parle pas de pentalogie et de trilogie. Et voilà. Mais voilà, pour moi, le roman, c'est quelque chose qui se tient tout seul et qui est complet. Alors que la nouvelle, même si ça peut être quelque chose de comme une bulle, je passe dans une bulle, je vois le début, je vois la fin. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment que ça soit une introduction à ma pensée, une introduction à une réflexion que j'ai pu avoir, et on y passe, on en garde quelque chose. Et c'est pour ça que j'affectionne les fins ouvertes, parce qu'on travaille avec le lecteur, quoi. J'entrevois des choses. Et souvent, j'ai plusieurs possibilités de fin. Ce n'est pas des textes qui sont déjà existants, que j'ai attrapés dans l'inconscient collectif déjà toutes faites. C'est vraiment explorer. Moi, je travaille toujours sur l'exploration d'un thème, d'une question, d'une situation. Et je ne prétends pas avoir la réponse. Donc, il va m'arriver assez souvent de laisser des possibilités. Des possibilités de fin, des choses, des probabilités qui vont être plus fortes que d'autres. Quand on lit beaucoup, quand on connaît les constructions de texte, il y a la fin évidente qui arrive, mais laisser aussi ouvert pour d'autres possibilités. Mais ça marche pas toujours. Non. Ça marche pas toujours et les lecteurs n'ont pas toujours envie non plus. Parfois, ils ont envie qu'on les porte. D'un début à une fin et qu'on leur dise, voilà, qu'on leur raconte une histoire et pas qu'on leur dise, allez, réfléchis avec moi et qu'est-ce que t'en penses? Bon, après ça, justement, l'idée de la chute, c'est qu'on peut ruser avec le lecteur aussi. Alors, moi, j'ai un exemple. J'ai écrit une fois une histoire de dragon. C'est dans le Tibar. Voilà, t'as un voleur qui rentre dans une caverne, il y a des trésors dorés, etc. Et puis, à un moment, il se fait choper. Et en fait, tu t'aperçois que le visiteur, c'était lui, le dragon. Mais il est tout petit, parce qu'il y a eu une malédiction. Et la caverne dans laquelle il est, c'est chez un charcutier, enfin, un rôtisseur, et c'est des poulets. Et voilà, il y a l'idée justement de. Mais bon, moi, je suis. Là, il y a moins de réflexion, effectivement, par rapport à ce que toi, tu parlais de choses plus sérieuses, quoi. Ah ben la nourriture, c'est une chose sérieuse. Remarque, oui, tu as raison. Guillaume, tu disais quelque chose d'intéressant aussi. Tu parlais de focalisation, hein, du choix du point de vue. Hein, bon, toi, tu te mets souvent dans la tête du personnage. Je crois que c'est quand même relativement. Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi. Quand je commence une nouvelle, bon, en gros, j'ai la chute. Enfin, il me faut la chute, plus ou moins. Pas systématiquement, mais quand même souvent. Et puis après, la deuxième question que je me pose, c'est comment j'attaque? Par quel angle j'attaque? À quel moment de l'histoire j'attaque? Dans la tête de qui je suis? Etc. quoi. Donc, histoire de l'angle d'attaque. Parce que la nouvelle, il y a quand même cette idée que c'est un truc court. Dans mon sens, moi, il faut que ce soit un peu percutant. Après, ça peut être aussi, hein, comme. Je comprends tout à fait ce que tu dis, Katie. C'est-à-dire, ça peut être, je le répète, un peu comme un poème. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment d'entrée, pas vraiment de fin, mais c'est plus rare.
hein, souvent les nouvelles que je soumets. D'autant plus que on m'a fait déjà le reproche, alors que je soigne souvent mes chutes, de me dire ouh, mais il n'y a pas vraiment de chute dans ton histoire. Je dis, bah si, mais alors peut-être que la chute était ouverte, voilà. Il y a aussi cette histoire de fin ouverte où la chute n'était pas forcément évidente. Où là, fallait relire un petit peu dans. Je suis très brouillon, hein. Je crois. J'ai une question pour les camarades, là, par rapport à ce qu'on se disait. On parlait du lecteur, tu parlais de jouer avec le lecteur, tu parlais de surprendre le lecteur. Est-ce que vous pensez au lecteur? Est-ce que vous visualisez un lecteur quand vous commencez vos textes? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Anthony. Oui, alors, pour les nouvelles, ça me paraît même très important. Timothée, tu parlais des nouvelles d'ambiance contre les nouvelles à chute. Par exemple, je pense que pour les nouvelles d'ambiance, on peut se permettre de dire, de penser un peu moins au lecteur en disant, bah, je vais te prendre par la main, je vais te montrer un bout de mon univers et voilà, ça va pas être forcément quelque chose de très épique, un peu plus poétique, mais fais ce bout de chemin avec moi. Et par contre, quand on va être sur des nouvelles, de mon sens, qui sont plus à chute, on passe un espèce de contrat moral avec le lecteur. C'est-à-dire, tu vas passer du temps à t'intéresser à mon texte, et j'ai essayé de te surprendre ou j'ai essayé de t'emmener dans une aventure qui va te parler même quand tu auras fini le livre. Et à ce sens, c'est là où c'est important pour moi de savoir pour qui on écrit. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le genre SF, le genre fantasy ou pas? Donc là, il faut peut-être prendre un peu plus de temps, il faut être un peu plus patient pour le faire rentrer dans cet univers. Alors que si on va avoir quelqu'un en face de nous qui lit beaucoup de SF et on dit voilà, un tel se promenait aujourd'hui, est-ce qu'il se promène avec un scaphandre, est-ce qu'il est sur une exoplanète, il faut qu'on ait déjà en tête ces choses-là et à quel moment on va diffuser l'information dans le texte en fait, parce que lui, il va pouvoir commencer à se construire une certaine idée de la nouvelle dès les premières lignes. Et si au bout de 2 pages, on lui dit, ben en fait, t'étais pas sur Terre, t'étais au fond de l'océan, là, il y a quelque chose qui, on a perturbé ces 2 premières pages de lecture. Et du coup, à mon sens, c'est important déjà de penser au niveau d'information qu'on passe dans les premières lignes et à qui on les distille, en effet. Et c'est Loïc, un peu, en fait, toi. Oui, pardon, excuse-moi. Ben en fait, ça me fait penser que, par exemple, on a évoqué très brièvement les vampires et sans forcément cristalliser là-dessus, je pense que c'est un peu ce qu'on a eu. Et je crois que c'est Solaris qui avait fait une très belle page internet sur le sujet où on disait les lecteurs ont évolué au fur et à mesure des années. Il y a quelques décennies, une des chutes de nouvelles, ça peut être, et voilà, tout d'un coup, c'était un vampire. Alors que maintenant, si on a quelqu'un qui a décro le teint pâle, c'est vrai qu'on va tout de suite, les habitués des gens vont avoir une certaine prédisposition à penser que ça va être tel ou tel type de créature. En fantasy, il faut qu'on soit aussi très prudent sur les archétypes. Si on peut gagner beaucoup de temps en disant, voilà, il y a un dragon dans mon histoire, il y a un elfe dans mon histoire, et ensuite, si on veut avoir certaines spécificités sur telle ou telle créature ou tel ou tel domaine, règle de magie ou autre, par exemple, il faut les inscrire, à mon sens, très vite dans le texte. Loïc, tu es là? Oui, j'écoutais. Non, ce que disait Anthony, en fait, je suis assez OK avec ça. Et ce que tu disais, toi, Kitty, je vais rebondir sur ces 2 points-là, si ça vous va. En fait, sur ce que disait Katie tout à l'heure, c'est que si en fait elle connaissait, tu m'arrêtes si c'est une bêtise, hein, Katie. Elle disait que si elle connaissait le début, le milieu et la fin de l'histoire, elle n'écrivait pas cette histoire parce qu'en fait elle veut elle-même la vivre et être surprise par ça. Je pense que ça rejoint l'éternel débat qu'on trouve beaucoup. J'avais déjà eu une table ronde là-dessus avec Pierre Bordage là-dessus d'ailleurs et qui disait que en fait il y avait 2 types d'écriture. Alors sachant que c'est deux extrêmes, hein, on peut se trouver à mi-chemin entre ces 2 extrêmes, mais où en fait on différencie l'auteur ou l'autrice qui va être structurant ou qui va être, je sais plus l'autre terme, qui va être scriptural. Voilà, c'est scriptural et structural. Scriptural, c'est un peu ce que décrivait Katie, c'est en fait où la personne, alors c'est encore plus vrai dans le roman, mais où la personne se ne sait pas en fait où elle va. C'est-à-dire qu'elle écrit son roman et elle sait pas forcément ce qui va se passer le lendemain, c'est pas ce qu'elle va écrire le lendemain, c'est un petit peu la méthode de fonctionnement que décrivait Pierre Bordage, justement. C'est-à-dire que lui, il est typiquement très scriptural et quand il démarre, il sait pas où il va, en fait. Il a pas de notion de chute, alors que ce soit pour une nouvelle ou pour un roman. Et après, l'écriture en mode structurant, c'est plutôt quelqu'un qui, justement, a une structure plus ou moins forte, c'est un peu ce que décrivait Timothée tout à l'heure, a une structure plus ou moins forte et qui sait, en gros, où il va.
Parfois, il sait très très bien où il va, parfois il a des jalons, et parfois il a une idée de où il arrive, mais il ne sait pas exactement par où il va passer. Donc il y a un curseur, il y a une gradation dans tout ça. Mais en tout cas, ces deux modes de fonctionnement, que ce soit pour le roman ou pour la nouvelle, sont des modes d'écriture qui sont assez différents l'un de l'autre. L'exemple de Timothée était plutôt en structurant, l'exemple de Ketty était plutôt en scriptural. Ça, c'est le premier point. Les deux donnent des résultats très intéressants. C'est-à-dire, c'est pas, on peut pas dire que les scripturaux écrivent des meilleures nouvelles ou des moins bonnes. Il y a des gens qui sont géniaux en scriptural et des gens qui sont géniaux en structurant. Ça, c'était le premier point. Et après, j'aimais bien aussi l'intervention d'Anthony sur cet aspect contrat moral. C'est-à-dire que le contrat moral, comme on est dans les littératures de l'imaginaire, on a une liberté qui induit une contrainte, ou vice-versa, comme vous voulez. La liberté qu'on a, c'est de pouvoir évoluer dans un monde qui n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous avez une histoire qui se déroule en nouvelle ou en roman... Ah, vous ne m'entendez pas. D'accord. Moi aussi. Ah mince. Du tout ou mal? Du tout. Ah, bah, là, ça va être compliqué. C'est dommage, parce que c'est vachement bien. Alors, oui, c'est intéressant ce que raconte Loïc. Donc, nous sommes les seuls à l'entendre, malheureusement. On regarde si on arrive à régler le problème. En attendant, j'ai vu qu'il y avait des réactions déjà dans le public, donc qui nous arrivent. Il y a une question sur la manière d'assembler et de structurer un recueil cohérent. Alors, je me sens compétente pour en parler. Qui a travaillé sur des recueils de nouvelles là, parmi vous? Alors moi, j'ai travaillé, j'en ai... vas-y, Anthony, puis après, je parlerai un petit peu. Oui, d'accord. J'ai eu l'occasion de travailler sur trois recueils. En tout cas, il y en a trois qui ont été publiés. Et en fait, alors il y en a un qui est particulier, qui est chez Moé Légende, par exemple, où là, c'est vraiment un recueil de whodunit, d'enquête dans un monde fantasy. Donc là, on va dire, ça tourne autour d'un personnage. Et ensuite, donc celui-là, on va dire qu'il est à part. Sur les deux autres, donc il y a celui qui est paru chez Le Chat Noir, où là, en fait, c'était une thématique qui m'intéressait. Je voulais explorer la relation entre père et fils. Alors très axé sur le fantastique, celui-là, c'est vraiment un recueil à part dans ma production habituelle. Et en fait, celui-là, il est né parce que au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'était une thématique sûrement inconsciente, mais qui revenait régulièrement dans les textes. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose, un tout cohérent à présenter? Du coup, j'ai pris un peu de recul sur les différents textes et on pouvait voir une progression, alors qui n'était pas liée à mon enfance, à n'importe quoi, qui est liée à la naissance de mes premiers enfants aussi. Et j'avais pris un risque parce que c'est très personnel comme recueil. Et en fait, je me suis dit, ça peut peut-être parler à d'autres que moi sur l'évolution de cette appréciation entre père et fils, et puis quand l'acte de devenir père après. Du coup, ce recueil-là est né après. Alors je sais pas si ça va intéresser ou répondre à la question des auditeurs. Et ensuite, le dernier que j'ai en tête, alors qui est chronologiquement le premier qui est sorti, celui-là, c'est plutôt des parcelles d'univers qui tournent autour de la même thématique, mais on va dire que c'était une espèce d'exposition où j'invitais les gens à découvrir des bouts de fantasy, des bouts de SF, toujours avec un fil directeur qui était l'écologie, là, pour le coup. Et du coup, finalement, il y a pas, là où le premier était très cohérent sur la partie thème fantastique ou fantasy, le deuxième est vraiment plus orienté sur une thématique générale, quel que soit le genre. D'accord. Guillaume, par exemple, ça... Écoute, moi, je n'ai pas encore eu l'expérience du recueil, donc j'écoute avidement vos conseils. D'accord. Mais c'est quelle réponse? Moi, je veux bien en parler. Oui. Ceux qui connaissent un peu mon travail s'imaginent que j'ai des textes longs et des textes courts. En fait, je n'ai que des textes courts, comme je disais tout à l'heure, y compris mon travail autobiographique qui est 20 textes différents. Et donc, pour ces textes un peu longs, je pense aussi à Confession d'une séancière chez Mu. Ce sont plusieurs histoires qui sont écrites avec des thèmes en commun, alors pas forcément de manière très volontaire, mais on a des obsessions, on tourne autour. Je pense que Anthony, quand tu as écrit sur le rapport père-fils, enfin, il y a juste un moment où tu t'es rendu compte que tu écrivais beaucoup sur ce thème-là, que c'en était un, quoi.
Donc des obsessions et des choses qui reviennent. Et à un moment, on met de l'ordre. Alors c'est très intéressant parce qu'on parle souvent du côté un peu thérapeutique ou un peu structurant de travailler sur un thème et de voir ce qui en sort et de travailler dessus. Je pense que le travail qu'on peut faire sur un recueil, c'est du même ordre. C'est prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on a fait et trouver une cohérence. Réussir à voir la cohérence, si elle est là, ou de la fabriquer d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, ça a dit beaucoup. On parle de recueil, mais je pense que le principe est le même pour les anthologies. Je me souviens avoir participé à une anthologie que j'ai trouvée très, très décevante au final. Donc, je ne dirai pas de quoi il s'agit. Oh. Ça fait très longtemps. Où finalement, les auteurs ont proposé des textes sur lesquels il n'y a pas eu de travail éditorial. Donc, ça aussi, c'était décevant. Parce que quand on travaille avec quelqu'un d'autre sur sa création, ben, l'idée, c'est que ce quelqu'un d'autre apporte quelque chose. Donc, voilà. Et à la fin, les textes étaient publiés par ordre alphabétique des auteurs. Bon, si je m'étais appelée à Anthony Boulanger, j'aurais été au début du recueil. Et voilà, c'était présenté comme ça. Et on passait d'un texte à l'autre en fonction de ce truc aléatoire qui est l'ordre alphabétique des noms des auteurs. Enfin, pour construire un recueil, ça reviendrait à prendre le premier mot rangé par ordre alphabétique et de se dire c'est ça la cohérence. Pour moi, c'est passer à côté de quelque chose de merveilleux qui est d'essayer de mettre de l'ordre dans le chaos. Pour moi, c'est ça écrire. C'est essayer de trouver un chemin, une cohérence, un récit qui fasse sens dans ce bordel sans nom qu'est la vie. Et donc, quand on le fait en écrivant, je pense que quand on est avec une quinzaine, une vingtaine de textes devant nous, c'est absolument excitant d'essayer de trouver un chemin qui passe de l'un à l'autre et qui... où on va avoir des nouvelles qui vont être une très longue, une très courte, qui vont se répondre par un détail, qui vont se répondre par un personnage, par exemple, sur les confessions d'une séancière. Ce sont des textes écrits à des époques différentes. Mais on va retrouver un personnage qui ressemble à un autre personnage, un autre qui va avoir le même nom, parce que les noms des personnages, j'ai quelque chose aussi, j'ai des noms qui reviennent jusqu'à ce qu'ils soient résolus. Donc, je vais me retrouver avec... Alors, des Claude, j'en ai plein. Claude, c'est le prénom de mon père. Donc, le jour où on se rend compte qu'on a beaucoup de Claude, on se dit, OK, on va en discuter. Mes personnages de femmes ont souvent des prénoms qui commencent par M. Tiens, comme maman. Donc, voilà, hein, psychanalyse et écriture, on n'est pas si loin. Et des liens, des ponts qui vont se faire entre les textes. Deux textes qui vont parler à peu près du même thème, mais de manière un peu différente. Comment on les met? Est-ce qu'on les met juste à côté? Est-ce qu'on les met un peu plus loin? Est-ce qu'on y revient? Enfin, pour moi, il y a quelque chose d'absolument excitant. Alors, je ne réponds pas en termes de technique, parce que ça dépend vraiment du corpus de texte. Mais il me semble que ça vaut la peine de discuter avec chaque texte, de savoir ce qu'il raconte, et de fabriquer cette cohérence de la même manière qu'on fabrique une cohérence avec les idées qui nous viennent de manière... un peu folle quand on travaille sur un texte. Alors bon, perso, moi je trouve ça aussi très important, hein, c'est-à-dire il ne viendrait pas l'idée de proposer un recueil sans être longuement torturé sur quel sera le texte d'accroche, quel sera le texte final, quelle progression je mets dedans, est-ce que je crée des grandes parties à l'intérieur de ce recueil, ce qui m'est arrivé. Bon, plusieurs choses. A contrario complet, lorsque j'achète un recueil, souvent je le lis dans le désordre. Je me laisse amener par le... Alors c'est là, je démolis complètement ce que je viens de dire, quoi. Mais ça, il n'empêche, le recueil, il est là avec sa propre structure, qui répond à une intention, bon, sauf dans ton cas de recueil alphabétique, ou, et à la limite, pourquoi pas aussi? Bon, c'est un peu dément, mais c'est, oui, disons, c'était pas vraiment voulu, ce que tu veux dire, là, c'est qu'à la, le côté. C'est de la non-pensée, ça n'est pas, ouais, ça ouais, n'est c'est pas ça, le côté aléatoire. C'est du par défaut, quoi. Oui, c'est, voilà. Donc, dans ce cas-là, c'était pas intéressant. Mais il m'arrive quand même, voilà, je viens d'en lire plusieurs de recueils de nouvelles, il n'y en a pas un que j'ai lu dans l'ordre voulu par l'auteur ou par l'éditeur, quoi. Mais c'est quelque chose, par ailleurs, quand même, qui est très important, et y compris quand on fait une anthologie, je suis d'accord, hein. Ça, par quel texte on l'attaque, quel texte on va mettre derrière,
quel texte au bout de 4-5 nouvelles, parce qu'on se dit que le lecteur, faut pas que ce soit trop monotone. Il faut. Alors il y a des échos, mais aussi des ruptures que j'aime bien avoir à l'intérieur. Et dernière chose, après je me tais. Il y a un certain nombre de textes que j'avais envoyés à des revues défensives en ayant déjà en tête il y a un truc qui s'appelle les nouvelles du Tibar où j'avais écrit des nouvelles de fantasy que j'envoyais de ci, de là, au gré des appels à texte. Hein. Je me rappelle un appel à texte, c'était Pirate et Ninja, par exemple, quand même. Ça, la revue n'est jamais sortie, mais voilà, j'ai sorti une histoire de pirate avec des ninjas, quoi. Et peu importe, à un moment, je me suis retrouvé avec un corpus suffisant, donc j'ai envoyé là au bouton électrique qui l'ont pris, et à l'intérieur, là, j'ai rajouté des textes, une fois j'avais cette structure. J'ai écrit des textes exprès pour ce recueil. Je me rappelle que Griffe d'encre voulait qu'on construise, ça n'existe plus, je pense, hein, c'est ça, depuis quelques années. Hein, il voulait, si on soumettait un recueil, que d'avoir les textes soient écrits exprès pour ce recueil. Et puis, il faisait très attention à cette construction-là, justement, hein, la façon dont ça s'insérait et tout ça. Faut m'arrêter. Alors, écrit exprès, enfin, c'est un petit peu compliqué. Anthony parlait d'appel à texte, hein, c'est souvent comme ça que ça marche pour les nouvelles. Construit exprès, on se retrouve tous avec des tas de textes qui sont là, qui attendent une occasion d'exister. Là, je suis en train de travailler sur plusieurs recueils. Il y a des choses qui sont sorties, des choses qui ne seront jamais sorties, mais qui ne sont jamais sorties et qui font lien. On construit ce qu'on a. Enfin, je me vois mal me dire, tiens, je vais me lancer dans un recueil de nouvelles sur les pinces à linge. Non, c'est pas ça dont je parle. Écrire des nouvelles sur les pinces à linge, enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, quand je disais construit exprès, c'est-à-dire qu'il y avait un vague, il y avait un background, hein. Il y avait par exemple le Tibar pour ces nouvelles-là de fantasy, où à un moment j'envoyais des nouvelles de science-fiction dans un truc que j'ai jamais formalisé d'ailleurs, ça s'appelait le Pan Spiral, et ça prenait place dans une espèce d'histoire d'expansion humaine dans la galaxie, quoi. Mais tu vois, par exemple, là, ça n'a pas donné lieu à un recueil finalisé. Mais j'avais un peu ça en tête derrière, quoi. Mais c'est pas encore. Ah oui, peut-être, voilà. Voilà, comme je disais hier, ce qu'on écrit, donc hier, ce que j'avais proposé, c'est un travail sur un texte 13 ans après, tu vois. Ça existe. Tant que le disque dur n'est pas grillé, le texte, il existe. Et encore, même s'il est grillé, je veux dire, tu as une sortie papier, tu as une mémoire du texte. Donc, le temps court de la nouvelle, je pense que c'est une illusion, parce que le temps court, oui, si je réponds demain pour l'appel à texte qui se termine dans une semaine, mais si c'est pas pris, mon texte, il existe et il pourra exister dans un recueil qui sera fait pour lui. Dans un an, dans 10 ans, du moment qu'à un moment, je construis, on est toujours dans la construction, à un moment, je me dis, ça, c'est une pièce de nouveau puzzle que je suis en train de construire, et c'est pas très grave si ça a 10 ans, alors il faudra réécrire un petit peu, mais... 100% d'accord, une nouvelle refusée, c'est absolument pas grave, voilà, ça fait une nouvelle, une de plus dans l'escarcelle, et qui ensuite pourra être... il m'était venu une idée qui m'a échappé. On parlait de support tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on y revienne. On est tous dans l'imaginaire, alors on est un science-fiction, donc il y a une logique. On a parlé d'appel à texte, on a un peu évoqué les revues qui existent. On est, je pense, tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour la nouvelle. Comment vous faites? Où êtes-vous publié? Avez-vous des maisons d'édition? Je pense que les personnes qui nous écoutent, qui s'intéressent à la nouvelle et qui en écrivent, ont envie de savoir, par rapport à vos expériences, comment ça se passe pour le support. Et voilà, comment vous êtes reçus avec vos propositions de nouvelles aussi. Loïc, il est parti pour toujours. Allô? J'ai même pas son micro, ouais. Non, je suis là, mais... Là, mais j'interviens pas parce que c'est vrai que si c'est pas diffusé, ça n'a pas trop d'intérêt, je pense. D'accord. Mince. Bon, je vais plutôt laisser la parole à ceux qui peuvent être entendus. On peut résumer, n'empêche ce que tu dis, parce que je pense que ton apport est quand même très important et ton expérience. Donc, moi, je veux bien reporter, puis ça sera présent sur le replay, il n'y a pas de souci. Ok. Non, mais c'est vrai que
C'est vrai que ce que vous dites, moi je rebondis un peu sur ce que dit Timothée, c'est-à-dire une nouvelle qui n'est pas publiée, c'est pas très grave, parce que en fait, alors je ne sais pas s'il y a des éditeurs qui vont nous entendre, donc si vous êtes éditeur et que vous écoutez, bouchez-vous les oreilles, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui parfois ont du mal à faire la distinction entre les retours objectifs et les retours subjectifs. Un retour objectif, bon, le plus objectif, c'est une faute d'orthographe, mais ça peut être un personnage mal construit, mais on dérive très vite vers le subjectif. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir des nouvelles, je pense que ça arrive à tout le monde ici, où finalement elle est refusée parce qu'elle est trop ceci ou pas assez cela, et que vous envoyez la même nouvelle, allez, 2 mois plus tard ou 1 an plus tard à un autre éditeur, et vous ne changez pas une virgule, et la personne dit, ah là là, c'est parfait, surtout touche rien. Alors il y a des nouvelles qui sont effectivement merdiques, hein, malheureusement, mais le fait que un éditeur vous dise qu'elle fonctionne pas pour X ou Y raison, ça veut pas forcément dire qu'elle fonctionne pas tout court, c'est-à-dire qu'elle fonctionne pas pour lui dans sa logique, dans cette anthologie. Donc quand vous avez fait le travail que Anthony décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire de la laisser reposer, moi j'ai un mode de fonctionnement très proche de celui d'Anthony là-dessus, la laisser reposer, quand vous la relisez, vous considérez qu'elle est bonne. Bon, c'est intéressant de prendre tous les avis, mais après c'est à vous de décider. C'est-à-dire que si effectivement vous avez un avis négatif, prenez-le. Mais parfois c'est tout simplement parce que d'un point de vue subjectif, elle n'arrive pas au bon endroit et au bon moment. C'est comme une rencontre. Oui, Loïc, je vais reprendre un peu en marquant mon accord, hein, par rapport à ce que tu dis sur l'acceptation d'une nouvelle. Alors c'est très compliqué quand on débute, qu'on écrit, on n'a pas de recul sur ce qu'on fait. C'est difficile d'avoir du recul sur ce qu'on fait, donc on aime bien, voilà. On avait une page blanche, on a un texte, c'est déjà très satisfaisant. Ensuite, il faut avoir le recul de se demander si ça marche, si ça marche pas. C'est pas toujours simple. Donc la petite semaine ou les 15 jours de repos et revenir comme si c'était un texte neuf. C'est effectivement une technique qui marche très bien pour y arriver, mais je veux dire, même parmi les gens qui écrivent des nouvelles, il y a des égos démesurés qui vont se trouver parfaits parce qu'ils ont fait. Et on se retrouve avec des personnes qui vont nous lire, donc que ça soit l'éditeur ou que ça soit des bêta-lecteurs pour les personnes qui y ont recours, qui vont nous donner un avis qu'on aimerait bien prendre en compte, mais c'est aussi difficile de le prendre en compte tel qu'il est. C'est-à-dire que quelqu'un va exprimer sa subjectivité en disant « ce texte, il me parle pas, il me plaît pas, j'aime pas ci, j'aime pas ça ». Est-ce que on arrive à faire la différence entre « c'est bon, c'est pas bon » et « j'aime, j'aime pas ». Et beaucoup de gens, y compris chez les professionnels, comme disait Loïc, ne vont pas faire ce distinguo, ne vont pas vous dire que votre texte est très bien, mais que ça ne convient pas pour telle et telle raison subjective. Et c'est très compliqué d'avoir un regard sur ce qu'on fait et d'avoir une appréciation. Alors, je pense que ce qui peut sauver un apprenti écrivain, c'est aussi de faire lui la différence entre ce qu'il est en train de faire et sa valeur en tant que personne. On va pas se suicider après chaque refus, parce que du coup, on le fait qu'une fois, donc c'est pas terrible. Mais voilà, comment faire avec les avis et comment faire avec la réception, sachant que quand on écrit de la nouvelle, a priori, le monde entier ne nous attend pas. Le monde entier n'attend pas qu'on arrive avec notre texte. Donc, la question que j'ai envie de poser à vous tous, c'est comment vous gérez les refus? Et après les refus, peut-être éventuellement les critiques négatives, s'il y en a. Alors, bon, je ne vais pas te dire le crachoir. J'ai commencé en fait à écrire un peu avant 2004. J'avais envoyé une histoire, enfin une nouvelle, Galaxy, mais l'ancien Galaxy avant Gévar, quand c'était Duniac. Et Duniac m'avait pas pris la nouvelle, mais par contre m'avait expliqué longuement ce qui selon lui n'allait pas. Alors j'avais trouvé ça quand même assez incroyable. Je crois que c'est bon, j'avais déjà eu une nouvelle publiée, mais là c'était vraiment mon deuxième essai et c'était un refus hyper motivé. Et après j'ai vu toutes les couleurs du spectre jusqu'à quelqu'un que je citerai pas et qui m'a dit dans un mail arrête d'écrire, c'est trop mauvais ce que tu fais. J'ai eu ça aussi. Et cette personne, je l'ai pas oublié d'ailleurs. Je sais qui c'est. Bon, mais peu importe. Voilà, pour dire que vraiment, j'ai eu. Pardon. Non, non. Tu me diras après. Ouais, je te dirai après. Ces initiales, c'est D et L. Peu importe. Non, mais je pense, bon, c'est pas mal aussi de cibler. J'ai jamais publié dans Bifrost, bon, pour des raisons diverses et variées.
Et j'ai, bon, la dernière fois que j'ai envoyé un texte, j'ai eu un refus, mais sur la forme. C'était un texte en vers. Bon, j'ai cette manie d'envoyer de temps en temps en vers libre. Hein. Ils m'ont dit, ton histoire, elle est super, mais la forme, ça va pas du tout. Et là, je sais que, je sais pas pourquoi je l'ai envoyé chez Bifrost, parce que ça a été pris chez Galaxy, du coup. Parce que Pierre, à la limite, Pierre Gévard, est plus ouvert sur ce genre de choses, sur des expériences formelles et tout ça. Ah ouais. Enfin, voilà, donc, mais moi, j'ai eu à peu près de tout. Ouais, après, faut se cuirasser le cuir, hein. C'est sûr qu'on va avoir plein de réponses. Faut avoir foi en ce qu'on fait, quand même, je crois, hein. Même si on fait des erreurs, même si on apprend, même si, évidemment, on est loin d'être parfait, faut quand même garder cette petite flamme, faut avoir foi dans ce que j'écris, c'est pas si mauvais. C'est pour ça que l'histoire du gars qui m'a dit arrête d'écrire, je l'ai pris un peu à la rigolade, au fond. Et ça va, tu vois ce que je veux dire? Mais ça aurait pu être mal pris. Je trouve ça assez grave. Je me verrais pas moi comme anthologiste quand je refuse un texte. Je prends des gants, quoi. J'y vais pas. Je suis pas là pour affirmer mon ego. J'en sais rien, quoi. Je prends des gants. Le texte me plaît pas pour une raison X ou Y qui correspond pas à l'anto. Enfin, à ce que je veux faire de l'anto. Mais non, j'irai pas dire arrête d'écrire. Enfin, je sais pas, vous avez eu des refus comme ça, des choses. Guillaume, j'aimerais bien entendre Guillaume sur cette question-là, puisque il nous a dit qu'il a été quand même le plus jeune novéliste. Le junior. Est-ce qu'on a plus de refus au début? Est-ce que tu as été nickel directement et aucun problème, tout va bien? Non, écoute, je crois que j'en discute avec un ami qui est scénariste pour la TV et qui dit que le refus, en fait, c'est la norme. Et donc, il faut savoir assez tôt que on va en accumuler pas mal, quoi. Et ça fait partie du truc et il faut vivre avec. Et alors, je sais pas si c'est parce que Timothée évoquait les pirates, mais moi, je me dis que les nouvelles qui sont refusées, ben non, elles sont pas mortes. Elles font partie d'une espèce de butin qu'on accumule au fur et à mesure des années et qui, au bout d'un moment, ben, on va pouvoir puiser dedans direct. Ça m'est déjà arrivé de puiser dedans et d'en prendre une qui avait été refusée deux fois, de la sortir et puis qu'elle soit acceptée. Et parfois de les démonter, de prendre les pièces séparées, et de faire, ah, en fait, là-dedans, il y avait un truc intéressant, dans celle-là, il y a un autre truc intéressant. J'ai jamais fait le rapport, mais ensemble, ça donne un truc que j'avais pas fait et qui me plaît, quoi. Oui, c'était l'opportunité aussi. On a une remarque du public là-dessus, d'ailleurs, sur le recyclage et l'assemblage de morceaux, puisque c'est quelque chose que j'ai présenté hier. Et c'est une auditrice qui y était et qui parle de ça, de cette possibilité de recycler des choses et de les assembler différemment pour créer autre chose. Je veux bien répondre rapidement là-dessus sur le recyclage. En fait, je pense que, allez, je sais pas exactement, mais j'ai dû publier, je sais pas, entre 20 et un peu plus de 20, une vingtaine de nouvelles. Je pense que, allez, là aussi je m'avance un peu, mais il y a entre un tiers et la moitié qui avaient déjà été refusées. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un tiers et la moitié des nouvelles que j'ai publiées qui avaient été refusées auparavant par un autre éditeur. Donc, comme disait Guillaume, le refus c'est la norme. C'est bien, et quand je dis qu'on a été refusé, c'est et qu'on a été republié sans changer une virgule. Donc encore une fois, c'est-à-dire que si vous avez un refus, il n'y a pas vraiment de souci. Parfois ça colle pas, parfois c'est pas un bon fit. Je reprends l'image de tout à l'heure, hein, c'est encore une fois une rencontre. Donc le fait de recycler des nouvelles, pour moi c'est pas un problème. C'est juste que il y a une rencontre qui s'est pas faite et vous essayez de faire une autre rencontre quelque part. Et parfois, alors ça m'arrive aussi, si je peux vous dévoiler un petit secret de fabrication, de répondre à un appel à texte avec une nouvelle. Ne correspond pas vraiment à l'appel à texte, mais qu'il n'y a pas besoin de tordre trop. En gros, vous prenez la nouvelle, vous l'avez écrite, vous l'avez proposée, vous l'avez pas proposée, et puis en fait, elle colle pas exactement à l'appel à texte, mais il n'y a pas besoin de changer grand-chose pour qu'elle colle, en fait. Ça m'est arrivé aussi. Ça peut être l'environnement, ça peut être la fin, un petit truc, ou la façon dont ça se passe, pour ajouter, allez, moins d'une dizaine de lignes, et finalement, ça marche pas plus mal qu'ailleurs. Et puis il y a le travail de l'éditeur ou de l'anthologiste derrière qui peut te dire, t'accompagner aussi. Puis c'est drôlement intéressant ce dialogue-là. Hein, qui te dit, ouais, ta nouvelle, elle ne colle pas parfaitement, mais à mon avis, tu pourrais faire ça. Alors, tu n'es peut-être pas complètement d'accord, mais il y a une discussion que je trouve très, très fructueuse. Ça va arriver aussi. Hein, ça.
Et très importante pour moi, ça fait partie du processus de professionnalisation. C'est, on commence tout seul dans son coin, et à partir du moment où on est remarqué, on peut travailler avec des gens. Moi, je suis demandeuse de travail sur mes textes. Et les éditeurs avec qui je travaille le savent. Ont parfois affaire à des personnes qui estiment qu'elles ont déjà trouvé la bonne manière de faire et qu'il n'y a rien à changer. Moi, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de, voilà, de m'enrichir de ce regard. Évidemment, ça signifie qu'on a confiance en la personne. Ça signifie qu'on a des connexions suffisamment fortes et qu'on a un respect de ce qu'on est. Je ne demande pas qu'on vienne me réécrire mon texte. Et je veux bien qu'on me pousse dans des directions où il y a un potentiel que j'ai pas du tout exploré. Donc accepter de travailler, pour moi, c'est accepter de progresser. Moi, sur les nouvelles, en fait, alors sur les romans, je serais un peu différent. Sur les nouvelles, j'ai pas trop cette sensation-là, la sensation que décrivent Katie et Timothée. En fait, j'ai très rarement et très peu travaillé avec quelqu'un sur une nouvelle. La seule fois où j'ai vraiment essayé de le faire, bon, ça s'est pas forcément très bien passé dans le sens où ce que l'éditeur avait en tête pour moi affaiblissait la nouvelle. Elle la rendait plus claire, mais ce qui fait qu'on comprenait la chute justement très vite. Donc finalement, j'ai trouvé qu'il valait mieux arrêter ce processus. C'est arrivé qu'une seule fois, alors c'est pareil, hein, je serais comme Timothée, je ne citerai pas, mais d'une manière générale, je me rends compte que sur le travail des anthologies, moi j'ai finalement pas énormément de, majoritairement pas énormément de retours. Alors, je regarde si on a des interventions qui nous arrivent de l'extérieur. En attendant, j'aimerais bien qu'on revienne parce que personne n'a répondu à ma question sur les supports. On a évoqué Bifrost. Alors, moi, j'ai eu une nouvelle dans un Bifrost. Voilà. Galaxy, j'ai pas mal publié dans Galaxy aussi. Les anthologies. Donc, où est-ce que vous trouvez vos appels? Comment vous vous tenez au courant? Est-ce qu'on vous contacte pour vous demander des textes? Moi, c'est plus ça, on me contacte pour demander des textes. Ben, je t'avoue, là, c'est pas que je sois passé à autre chose, mais bon, là, j'ai été sur plusieurs romans. Après, j'ai été sur l'énorme travail sur Fritz Leiber. Et ça fait un petit moment que j'ai pas écrit de nouvelles. Là, j'en ai promis une, justement, pour une anto qui me parle beaucoup. C'est Marmite et Micro-ondes qui crée une anto Ah, papier. mais j'y Et qui serai m'a aussi, demandé. en fait. Ah oui, j'ai vu qui Dans était. mon C'est texte. vrai, c'est vrai. Une anto, finalement, ça se fait pas chez Rivière Blanche, apparemment, mais parce que Rivière Blanche a des soucis. Mais j'ai trouvé ça génial parce que c'était pour ceux qui connaissaient pas, c'était un webzine qui était de science-fiction culinaire. Et donc il y avait des choses, c'était un bonheur. Imaginaire, tu pouvais partir en fantasy, tu pouvais partir en fantastique. Et ouais, Ouais. j'ai eu deux textes dans cette revue que j'ai adoré. J'étais très Moi triste que aussi. ça s'arrête. Moi aussi, Marmite et pareil. micro-ondes, c'est le rêve. Et donc voilà, ouais, c'était vraiment très drôle. Je me rappelle que Karim Berouka avait fait dedans le guide intergalactique de la pizza. Et tu avais des pizzas extraordinaires. Franchement, c'était très très drôle ce qu'il faisait, quoi. Et globalement, voilà, la revue. Et les supports, bon, donc moi je suis plus trop au courant de ce qui se fait comme support. Est-ce que Angle Mort existe toujours? C'est un webzine? Ben, je sais En pas. sommeil, mais ça Ah existe encore. Ils sont en bon. D'accord. sommeil, mais ça existe. Bon, après, il y a Solaris, qui est une revue québécoise. J'ai jamais réussi à placer un texte chez eux. J'ai jamais essayé, peut-être que je devrais. J'ai essayé 10 fois, et 10 fois j'ai essayé. Hein. Mais c'est pas grave, hein, les nouvelles, voilà, c'était des nouvelles. Mais bon, plutôt maintenant, voilà, on vient me demander une nouvelle. Mais pendant très longtemps, bon, je suis passé beaucoup par les fanzines. Hein, il y avait. Je sais plus trop ce qui se passe maintenant dans le monde du fanzina, voilà, dans le fandom de ce côté-là. Et je regrette un peu parce que j'aime bien ce côté fourmillant, ce côté un peu bricolé, mais c'est. Il y a un côté très réjouissant dans le fanzine. Il y a Géante Rouge, hein, qui est un genre de fanzine, même si c'est semi-pro, on va dire, hein, qui prend des nouvelles quand même. Ça continue, Géante Rouge, je crois. Oui, ça Oui, continue. Pierre. Et Pierre, en plus, est très ouvert. J'aime bien pour ça. C'est-à-dire qu'on peut proposer des trucs complètement farfelus, mais même dingues. Ouais, pas de souci, quoi. Ça lui va. Alors que dans d'autres revues, ce serait, dans d'autres zines, même dans d'autres zines, ce serait pas évident. Donc moi, je suis peut-être pas le meilleur pour en parler, quoi, de où placer ces textes actuellement.
Moi, c'est pareil, hein, c'est pour beaucoup de commandes, ce qui est pas mal, hein, puisqu'effectivement, le temps qu'on passe à chercher, à trouver des choses qui vont nous correspondre, c'est un peu embêtant, mais je sais qu'il y a des forums assez actifs. On cherche appel à texte sur Google, on en a quand même une liste. Oui, Et c'est c'est ça. intéressant, ne serait-ce que pour avoir des idées de thèmes, même si on ne compte pas envoyer. Ça peut être intéressant aussi de piocher les contraintes là-dedans. Voir ce qui se fait, de voir sur quoi les gens ont envie de réfléchir. Et voilà, rien que comme déclencheur, je trouve que ça peut être intéressant de regarder ce qui se fait comme appel à texte. Puis ça parle un peu de la société, mais bon, ça, on sort de l'écriture. Toi, Guillaume, comment tu en es venu? Tu as publié chez Galaxy. Oui, je parmi pardon, je t'ai interrompu. Non, vas-y. En fait, la question, c'est vraiment de savoir où as-tu publié tes textes et J'avais posé la question. comment as-tu trouvé l'entrée? Ouais. Ok, alors je ferai rapidement. Essentiellement par les appels à texte, il y a effectivement dès que tu googles la question. Ensuite, la plupart des magazines en activité en font régulièrement. Je participe depuis, ça va faire la troisième année, je crois, au prix Alain Leboussy. Et là, ça, c'est plutôt free for all, comme il n'y a pas de thème. On envoie ce qu'on veut tant qu'on est dans la contrainte d'espace. Et sinon, j'ai récemment publié chez HPS, Héros de papier froissé, pour un appel à texte, et chez Etarval, qui avait fait aussi un appel à texte. Voilà. Je pense que c'est une bonne façon, pour moi qui suis encore relativement jeune dans la profession, de se faire la main, d'essayer, même si on ne les envoie pas, de s'inspirer du thème et d'essayer de voir où est-ce que ça nous mène. Ah, Parfois mais ça marche, envoie, parfois envoie ça ne marche toujours, pas. envoyez. Ouais. J'ai fait comme ça, hein. Je vais dire, moi aussi, je me suis fait la main, voilà, sur les fanzines et sur un certain nombre de nouvelles, quoi. Ouais, bien sûr. Et Ne Anthony, toi, payez pas tu. pour être publié, ne payez pas pour être publié, Ah jamais. oui, Ne surtout payez pas, pas jamais. pour être publié, vous devez être payé pour votre travail. On a très peu de temps, c'est pour ça que je le dis maintenant. Ça me paraît important. Non, mais. Voilà. Si Loïc et Anthony ont quelque chose à ajouter en termes de support, des supports que vous connaissez, des bons plans pour nos auditeurs, on est preneurs. En quelques mots, non, il faut. Je pense que quand on commence le monde des webzines, le monde des fanzines est un monde super. Je continue à travailler avec certains d'entre eux parce qu'en fait, plutôt que de regarder quel est l'éditeur ou la structure, je vais regarder l'appel à texte. Donc j'ai un peu j'ai un peu ce défaut-là. Mais pareil, on parlait d'Etherval. Etherval, c'est une super revue. Ils sont super pros. Il y a Moe et Légende qui a un statut alors amateur on va dire dans le fandom, mais qui a une revue d'une qualité exceptionnelle. Et en fait on a envie de travailler avec ces gens-là parce qu'ils sont bienveillants, ils font des retours très 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 sympathiques. Et voilà, si je peux donner à des auteurs qui se lancent un ordre de grandeur. Et pour revenir sur les refus, moi j'avais travaillé avec Songe du Crépuscule et Traversée Numérique au tout début. Et ensuite entre la première publication web et la première publication papier, il s'est écoulé 3 ans de refus. Donc les nouvelles ont continué à prospérer, j'ai continué à progresser grâce au monde du webzina et du fanzina, et du coup c'est top pour pouvoir commencer. Juste, alors moi j'ai un tout petit tuyau. Si quelqu'un cherche à sortir un recueil de nouvelles plutôt fantastiques, il y a un petit éditeur formidable qui s'appelle La Clé d'Argent. C'est Philippe Gindre, c'est un gars qui est dans le Jura et qui vous fait des recueils de 6, 7, 8 textes. Alors vous n'êtes pas payé, mais par contre il vous envoie un gros paquet de vos propres. Vous êtes payé en exemplaire en quelque sorte. Et c'est bien et c'est un gars formidable en plus pour travailler avec. Juste pour, voilà, tu demandais des tuyaux, ben, c'est le seul que j'aurais en tête là. Des tuyaux, Loïc, pour qu'on termine là-dessus? Non, je pense qu'en effet, en tapant appel à texte sur Google, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Moi, je me rends compte que souvent, je retrouve dans ce que dit Anthony, c'est-à-dire que je suis plus intéressé par l'appel à texte en lui-même que par la diffusion. Alors maintenant, demain, si Gallimard lance un grand truc, je regarderai peut-être un petit peu plus en détail, même si l'appel à texte me plaît un peu moins, mais c'est vrai que je réagis plutôt à l'appel à texte que à la structure en elle-même. Je pense qu'en effet, ces sites, il y a des groupes Facebook aussi qui existent,
sont vraiment une mine de possibilités pour les auteurs débutants. Et en conclusion de mon côté, en tout cas, je reprends le point de Katie. Vous n'avez pas à payer pour être édité. Vous pouvez ne pas être payé beaucoup, ça ok, vous pouvez être payé en exemplaires, admettons. Mais en tout cas, vous n'avez pas un centime à débourser quand vous êtes édité, et a fortiori pour une nouvelle. Mais même chose, bien sûr. Bien, je crois que nous arrivons à la fin du temps imparti, pas spécialement de questions du côté du public. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler de la nouvelle. On parle de format court et puis on pourrait en parler le temps d'écrire une trilogie, donc c'est amusant, ce paradoxe. Ah, ben c'est un joli paradoxe pour terminer, je pense. Bon, ben merci tout le monde, hein, et bonne continuation merci à vous, résonnant de la nouvelle. Merci à tous. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.